Eh bien, salut, salut les survivants, c'est le Toucan, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de raid. On est actuellement sur la base du player 8566, que j'ai cru être une base que j'avais déjà raid il y a quelques temps, il y a tout juste un mois d'ailleurs, qui était une base full gun, mais malheureusement, bah, comme je le dis souvent, les bases player, bah, ça comporte des doublons. Et on en a la preuve ici aujourd'hui. Alors, rien à voir avec la base que j'avais déjà raid, malheureusement. Donc bah voilà, on va se taper ce petit raid. Alors moi j'ai pris deux C4 sur les vidéos que j'ai vues, bah il n'y en a qu'un qui est utilisé. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut ouvrir. Normalement on peut ouvrir une grosse partie de la base, hein. Je vais faire, si je vais vous faire péter tout ce qu'il y a à péter. Ils vont coincer. Ah dommage. J'aurais bien aimé que ça leur fasse sauter la tronche, mais non. Bon, manifestement, le C4 a servi à rien. Donc, il vous faudra qu'un seul C4. Vous pouvez le voir sur le radar. Il n'y a pas de coffre dans la salle que je viens d'ouvrir. Mais c'est pas bien grave. De toute façon, cette base, c'est pas la base où on va se mettre full, 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 hein. Malheureusement. Mon chien, c'est quand tu veux, hein. Là, remarque, je me pète deux vagues en même temps. Pas été très malin de ma part. Bon, la dindounette pour mes toutous. Hop, on va se récupérer ça. On va se prendre ça aussi. Je vais récupérer les bouteilles d'eau au cas où elle est soif en cours de raid. Allez, on enchaîne. Un peu d'essence, ça fait toujours du bien. Des petites pièces moteur. Tout ça pour aller changer chez Jen. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt avoir fini avec le up de mon chopper. Encore un petit voyage chez Diane et normalement ça devrait être bon. Alors là vous avez une petite peinture blanche que je ne vais pas prendre parce que j'en ai déjà énormément. Les coupons c'est pareil. Dans ce coffre concrètement il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Je vais peut-être prendre les soins histoire de. Hop, on va débarrasser de ça. Hop, voilà. Allez, on continue. Alors ici on a quoi? Bah, on a encore du soin. Allez, le dernier coffre de la base. Hop, un petit peu d'acier. On va prendre des plaques d'alu. Allez, on continue. On se débarrasse des embacs. C'est doit être la troisième vague normalement. Allez. Par contre, la tenue, elle a vraiment pas tenu long feu. Hein. Waouh. Je vais finir à poil avant la fin du raid. Ah bah non. Du coup, tiens, je vais te récupérer. Non. Prendre ça plutôt. Le reste. Ah bah attends, on va les remplir le chopper, je suis bête. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Allez. Oh. Oh l'esquive de dernière seconde. Oh la vache. Allez. Ça va être bien pour mes toutous. Ça va être pour du Jen. Ouais, la petite pièce moteur en vrai, j'en ai pas vraiment besoin, mais bon, elle est là, tant qu'à faire, autant la prendre. Alors, ah oui, vous allez pouvoir voir de l'autre côté du mur, là, juste entre la TV et moi, il y a un générateur que vous pouvez ramasser. Ça sera pas mon cas malheureusement, étant donné que bah, je suis déjà plein pour ceux qui suivent la chaîne, vous l'avez déjà vu. Je vais récupérer ma hache du coup. Qu'est-ce qu'on va se prendre? On va se prendre le bauxite pour payer le raid, on va se prendre peut-être les planches. Qu'est-ce qu'on a laissé ici? Récupérer les soins. Parce que j'en consomme énormément dans le bunker B. Tac, 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 tac. C'est un peu le problème quand vous faites le bunker B sans pilule anti-radiation. Eh ben, mon tonton, on a combien de bruit là? On est à combien? J'avais laissé mes haches où? J'avais laissé mes haches où? Voilà, je vais faire l'échange. Juste le temps de péter. Oh, c'est bon, on est large. Eh ben, j'ai bien fait, il y a encore de la dinde. Nickel. Bon, après, le reste des coffres, ouais, hein, OSEF. Donc là, c'est absolument vide. Il y a juste le bain d'acide, la table de médicale. Et puis, je sais plus quoi, une babiole. Un atelier, mais je sais plus lequel.
Alors ici, comme vous voyez, voilà, le petit générateur, normalement vous pouvez le prendre. Il n'y a pas le recycleur. Ah si, il est là, le recycleur. Bon, bah, recycleur, il n'y avait que dalle. Ok, bon bah voilà, hein. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va essayer de ne pas faire pop le gros, vu l'état de ma tenue, ça serait pas une bonne idée. Donc en gros, bah, deux C4, dont un utilisé pour rien, vous l'avez vu. Mais en gros, avec un C4, bah voilà, le genre de loot que vous pouvez récupérer. C'est pas ouf. Très franchement, par rapport à l'autre base 85-66, celle-là, elle est vraiment pas ouf. Mais bon, j'ai des dindes pour mes chiens. On va rester positif, j'ai un peu d'acier. Bon. Même si en niveau acier, je dois être à 5 ou ouais, 500 plaques, je crois. Alors, peut-être que je m'occupe de monter mes murs niveau 4. Parce que ça sert à rien que je garde autant d'acier chez moi. Allez, on va les payer les voleurs. Bon, à mon avis, là, je pense que la bauxite, ça me devrait pouvoir suffire. On va voir. Est-ce que ça suffirait? Non, ça c'est sérieux. Bon, bah, on va lui donner le traditionnel petit circuit. Et hop, monsieur est content. Qu'est-ce que je peux trop fourguer d'autre qui me servirait à rien? Je vais voir si j'échange comme ça. Non? Bah tiens. Je récupère mes haches, par contre, mon garçon, t'es gentil. Ah, attends. On va essayer de voir si avec ça suffirait. Non, bon, allez. C'est quoi? Barre-toi, Michel. Allez, dégage. Franchement, là, tu m'as fait une fausse joie, je suis dégoûté. Ah, j'ai vu le nom de la base s'afficher, j'ai regardé mon raid, j'étais croyé, j'étais comme un petit foufou. J'ai enfin un raid full gun, mais non. Allez, on les rappelle pour demander de nouvelles quêtes, voir ce qui nous attend. Bon, en espérant qu'ils ne demandent pas des quêtes. Est-ce que j'ai du... Bah non, bien sûr. Je vais les donner à becter à mes clébards en attendant. Comme ça, vu que j'ai pas beaucoup de place dans mes coffres. Alors, je tenais à vous faire remarquer un petit truc. Pour ceux qui ont les corgis, vous avez peut-être eu le chien qui a le bonus, le corgi qui a le bonus repu. Voilà, aucun besoin de nourriture dans la cage pour chien. Là, vous pouvez voir, ça marche pas. Hein, très concrètement, le bonus il sert strictement à rien. Je dois quand même nourrir mes chiens. Je vais attendre un petit peu. Là, ils étaient à 10h59. Je vais attendre un petit peu. Je vais voir si ça se confirme. C'est-à-dire que si le temps continue à passer, c'est qu'effectivement, il n'y a aucun besoin. Mais mes chiens sont couchés, donc non. Bon. Bref, allez, on regarde les nouvelles quêtes. Les 25 coffres, le C4. Ça, ok, ça, ok, ça, ok. Alors ça, en ce moment, c'est les quêtes que j'adore faire parce que bah, je cherche du carbone pour finir mon ATV. Les 5 largages, bah, ça va attendre demain. Il m'en reste plus qu'un aujourd'hui, normalement. Et puis, le reste, ça posera aucun souci. Bon. Et ben voilà les suivants, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de raid ou de relance. Et d'ici là, vous savez, je vous souhaite une très très bonne survie. Salut, salut les survivants!